Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je repasse sur une MT-07. Cette fois-ci la 2021 en débridé. Les gars, elle est incroyable. Je viens de l'acheter, franchement j'en suis pas déçu du tout. Bon d'abord on va faire un petit tour du propriétaire, voir un peu l'esthétique de la moto. Et ensuite on passe sur la vue GoPro. Là mon gars, je sens que je vais être excité avec cette moto. Ok, donc d'abord on va parler de l'esthétique de la moto parce que ça a changé un peu sur cette 2021. Bon déjà, le phare avant, faut en parler. Moi, quand c'est sorti, quand j'ai vu sur Instagram, je trouvais ça dégueulasse. Mais en vrai, en full black, avec les trucs noirs ici, je trouve que c'est assez bien camouflé. Tu vois. Ensuite, gros changement sur cette 2021, c'est les faces sur le côté, en fait. Sur le côté, je trouve que c'est vraiment plus sportif, plus agressif. Et même le réservoir, comment il est taillé, je trouve que c'est incroyable. La ligne d'origine, super dégueulasse. Avec les gros... Grosse protection comme ça et tout, je trouve ça vraiment dégueulasse, mais ça va changer. Ça va changer, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura une grosse ligne à roues, ça va être incroyable. Ensuite, bah, tout le reste, c'est une MT basique, hein, feu arrière, etc. Le support qui va dégager pour un support court aussi. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer à la vue GoPro, les gars. C'est parti. Bon, c'est parti, là, on va partir sur la vue GoPro, les gars. On va essayer cette putain de bête. Je vous avoue, j'ai mis des petits post-it. Je vous ai mis des petits post-it pour pas qu'on voit le compteur. On part à gauche. On va faire ces petits essais avec Moji derrière nous. Qui va nous accompagner. Et faut pas oublier que cette moto, elle est débridée. Hein. C'est pas une MT-07 47.5. C'est une MT-07 en 74 ou 75 chevaux, c'est. Je sais même pas. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié. Donc ouais, cette moto, elle est débridée. Et ça se ressent pas de ouf par rapport à une MT-07 bridée, tu vois. Genre, pour l'utilisation que j'en fais en plus, franchement, c'est pas... C'est surtout à haut régime. Et après, dans les plus grands rapports, je trouve voilà, plus de pêche. Il y a un mec en traceur. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime en MT-07, c'est la facilité que tu as à lever cette machine. Eh, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ouais, t'es un fou, pourquoi tu vends ton Tracer 900 GT pour reprendre une MT-07. C'est que Tracer 900 GT, c'est pas aussi agile que ça, tu vois. C'est pas aussi léger que ça, tu vois. C'est pas autant l'amusement. Même là, je pars comme ça, première, deuxième. On fait toute la ligne. Et tu vois, ça lève pas énormément vite par rapport à un Tracer 900, tu vois. T'as une facilité aussi à passer entre les voitures. Tu vois, moi, je suis souvent dans les bouchons, je tape à Paname. Et vraiment, c'est incroyable, tu vois, comment ça passe entre les voitures. Tracer 900 GT. Comment j'ai frotté sa mère. Normal, support long, vous allez me dire, tu vois. Allez, hop, ça frotte. Tracer 900 GT, ça passe pas entre les voitures. Surtout quand t'as les valises, c'est mort. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis reparti sur une MT-07. C'est d'avoir un truc qui est en ville. Il est efficace, tu vois. On va se faire une petite accélération, départ en deux. Ah, j'ai perdu mes post-it. J'ai perdu mes post-it. Mais franchement, ça accélère bien, tu vois. Et CP2, c'est un moteur qui est rageur. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que t'as une réactivité poignée qui est vraiment bien. L'embrayage. Moi, sur le Tracer 900, je détestais l'embrayage. Je sais pas, j'avais l'impression, tu vois, quand tu démarres, c'est bizarre et tout. Alors que là, MT-07, franchement, pisse de ouf. Hey, t'as vu quand j'ai frotté? Ah, j'ai frotté sale. Ah, c'est trop facile, support long. Si vous avez un support long et que vous le frottez pas, ne me dites même pas que vous avez le frein.
tu la laisses couler un petit peu, la moto, le support long, il frotte. Après, moi, j'ai pas le frein de ouf, hein, justement, carrément. Je le maîtrise pas de ouf et tout. Mais moi, vous avez un support long, vous le frottez même pas. Me dites même pas que vous avez le frein, les mecs. Ce qui est bien aussi, cette débridée, c'est que là, je suis à 60. Ça part normal. Vu que j'ai eu énormément de problèmes d'embrayage sur ma Tracer 900 GT, maintenant je lève plutôt au gaz à l'appel d'embrayage. Encore un truc, c'est la légèreté, l'agilité de cette moto. J'aime trop. Genre, ça, tu vois, tu mets un tout petit coup de cul, ça bouge. Tu vois, t'appuies un peu sur le guidon, ça bouge. C'est vraiment trop agile, MT-07, c'est trop léger. Et moi, c'est ça que je kiffe. Franchement, c'est super. Alors en tout cas les gars, je suis vraiment pas déçu d'avoir acheté une MT-07. Plein de gens me disent ouais tu vas regretter ton Tracer, nanana. Je regrette rien du tout, j'aime trop. MT-07 c'est incroyable putain. C'est vraiment la meilleure moto quand tu veux une homologuée et que tu veux la bike life, tu vois. Allez, là c'est pas la fin de cette vidéo les gars. Justement ce qu'il va y avoir, c'est un truc incroyable. Ce qui va se passer là, ça va être incroyable les gars. Ça va être une nouvelle moto que je vais avoir d'un coup. On va faire le petit unboxing là. Là on a la ligne. Ça doit être le collecteur. Non, ça doit être le silencieux. Je suis un menteur. Non, c'était le collecteur carrément. Oh là là, des beaux tubes, hein. Pas comme les tubes qui sont là. Mais moi, c'est le silencieux qui m'intéresse le plus. Oh loulou. Oh loulou. Bien lourde. Putain. Mais c'est pas la même que les anciennes. Hein. Là, il y a le petit A en jaune et tout. En plus, moi, j'ai le radiateur jaune. Ça va bien aller avec. Bon, maintenant, Yas Lameka, c'est à toi de poser ça là-dessus, là. Oh putain, 10 minutes, Yas Lameka, il a déjà enlevé la ligne d'origine. Eh, t'es incroyable, mec. Eh, mec, ça t'a déjà dit, t'es incroyable. Ah, merci, c'est gentil. Elle est à la poubelle, bâtard. Faut plus que tu la remettes. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est là, bah regarde, elle est là. Non. Ah ouais, poubelle, frérot. Poubelle. Direct. La ligne, elle est là, la poubelle. Ils ont pas respecté la ligne d'origine. C'est tout ce qu'elle mérite. On a Yas Lameka qui est sur l'échappement, là. Et on a Moji et Yanis qui sont sur le support court. Parce que là, c'est terminé. Freestyle en Jiyama, ma gueule. Bouscat garage. MT7, je suis sur la 6, je mets pas la 5, je suis en fond 4. Dans mon assiette, c'est jamais évident. Et si c'est le cas, je ravitaille grave. J'ai fait le tour de la ville. Je suis rentré tard, très tard la nuit. Et j'ai fait tout le monde profite. Mais toi et moi, ça sera pas possible. T'as pas saisi, je suis assasié. Avec Gigi, parasasié, la zizanie. Puis des années, mauvaise amie. Moi, je te dis, grave la galère. Beaucoup d'équipes, moi, de Zani. Mini 26 vers Nanterre. Méga rempli, voiture, c'est terre. J'ai plus le temps de faire du shopping. J'achète mes sables sur net. Ta soeur a besoin de tal, donc elle fait la tasse sur le net. Je rémunère tous ceux qui font pousser mon business. Je coopère avec les flics, ils font pousser le business. Zip, je mets la parka, visage glacé comme un danois. Bip, je mets la tempête, tu meurs pressé comme un Uber. Kiff, c'est donnant, je t'avance que si tu renvoies. Clic, je précise, visage précis comme un punisher. Putain, ce qu'il faut pas faire pour enlever un support long, cette merde, elle va me casser les couilles jusqu'au bout carrément. Oh putain, Yas Lameka, il est sur la finition là. Oulala. Oulala. La ligne, elle est presque montée là. Nouvelle ligne là. Là, premier démarrage. On va voir ce que ça donne. Ligne à roue, MT-07 2021, c'est les nouvelles lignes. Incroyable. Sa mère. Attends, ouais. Oh là 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 là
Yas la méca au platine. Au platine. Bon. T'as la dernière vis. La dernière vis. C'est carré. C'est carré. Nouveau support de plaque. Court. Plus le truc dégueulasse. Et là, on a une nouvelle moto là. Bon les gars, on se retrouve sur la partie GoPro avec cette nouvelle ligne, avec ça. Oh ouais. Ah, ça fait vraiment plaisir de faire du bruit, tu vois, on m'entend arriver là au feu, tu vois. Là, on va faire un peu de ville pour que vous puissiez voir ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en ville, c'est beaucoup plus agile. Ça passe dans les bouchons, etc. par rapport à un Tracer 900. Là, on va aller à mon taf à Paname. Donc, vous allez voir sur la route tout ce que je vous ai dit, ça se concrétise. Alors, on réveille la ville. Si on a comblé leur réveil pour aller au taf, t'inquiète pas, Didi, il est là. Mais vous savez, je pense à quoi là? Je pense à Paris, tunnel, symphonie. Je pense que à ça là. Attends, t'es une petite symphonie. C'est la première que je fais, donc elle est pas très 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 bien. Regardez ce que je vous disais. Voilà, je passe normal. Je passe comme ça, hop, j'ai plus. Merci. Vous voyez ce que je disais, c'est que là, grâce à la ligne, on m'entend beaucoup mieux. Vous voyez là, grâce à 900 GT, même en faisant ça, je passe pas. Ça passe quand même. Incroyable cette moto. Les gars, on va rentrer dans un tunnel. Eh les gars, je voulais beaucoup lever pendant le trajet, mais je peux pas là. J'ai trop mal aux mains à cause du froid. Oh putain, il y a les keufs là-bas. Eh, ils veulent me niquer ma vie. Putain, avec sa polo là, je suis sûr qu'il veut juste skier les bouchons, ce bâtard. Bon, on sort du périph, les gars, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura des vidéos incroyables comme celle-ci. Et activez les notifications surtout. Lâchez votre like, votre commentaire pour le référencement. Ça va beaucoup m'aider. Et sur ce, ciao les gars.